Il est 1h15 du matin cette nuit et Johnny rentre en scène pour la deuxième fois de la soirée. Il a donné rendez-vous à ses fans pour un concert, 600 places vendues en un clic sur Internet. Deux heures avant devant le théâtre, c'est ambiance. Harley Davidson, blouson noir et ses amis les stars venus fêter son 70e anniversaire. Ah, c'est très rock'n'roll, ça lui ressemble bien. Une soirée entre amis, Joe Star et Muriel Robin, Laura Smet et Nathalie Baye, son fils David. Un rendez-vous en famille, comme un retour aux sources, le théâtre de Paris à deux pas de Pigalle fut le lieu de son enfance. C'était le théâtre où il allait, où il passait devant, en tout cas, tout, quand il était gamin. C'est super, c'est un joli événement. Minuit, le voici sous bonne escorte, prêt à en découdre. Il y a 3 ans, on disait Johnny fini, fatigué, usé. Bien hier soir, c'était reparti pour allumer le feu. C'est incroyable, on a rarement vu un personnage de cet âge-là avec une voix comme ça. Je suis ému parce que j'ai déjà vu 250 fois, mais aujourd'hui c'était autre chose. C'était sublime. 3h du matin, fin de concert, Rock'n'Rollman après 53 ans de carrière semble vraiment infatigable.